Un peu plus d'une heure de course, on est presque au 8ème kilomètre, on a fait à peu près 500 D+. Pour l'instant il fait super beau, super doux, j'espère que ça va un peu se dégager, qu'on ait un peu de vue sympa. Pour l'instant ça régale, on est bien. Je sais pas s'il fera beau tout le long, on aura déjà vu au moins une petite vue sympa quand même. Et on est parti pour un peu de descente. Un peu plus de 3 heures de course. Go. Thank you.
ça en fait des cailloux. Allez, on doit être pas loin du 23e kilomètre. On arrive bientôt au deuxième ravitaillement. À Pélussin, je crois. Bon, pour l'instant, tout va bien, heureusement. Km. Deuxième ravito. Toujours plus de cailloux quoi. Bon, je vais vous poser parce que sinon je vais me péter la gueule. Bon, je vais profiter de ce petit faux plat montant pour faire un petit point objectif. Donc le but aujourd'hui c'est juste d'aller au bout avec le petit supplément d'arriver pas trop cassé, si possible même avec des bonnes jambes. Les jambes présentes en tout cas, et si ça c'est fait, et ben pour moi ça sera que du bonheur. Tous les feux seront verts pour la prochaine course qui arrive bientôt. La grande répétition aujourd'hui. Allez, on descend tout droit sur Véran. Véran qui est le prochain ravito, qui est aussi arrivé. Mais là, c'est pas l'arrivée. Il nous restera une boucle, une petite boucle de 44 bornes quand même. Mais en tout cas, dans au moins 2 km, on va pouvoir se ravitailler. C'est bizarre, on dirait que c'est l'arrivée alors qu'il reste 40 bornes. Et là-bas. Sur les 80, on parcourt le grand. Allez, on va profiter pour bien manger. Let's go. 35. Bon, on est reparti du ravito il y a à peu près une demi-heure là je crois. On a attaqué la montée. Là on a un gros morceau là. Je vais vous montrer sur le dossard. Parce que, alors, petit point plus sur les orgas qui mettent le profil sur les dossards. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on allait monter cette grosse partie là, jusque là.
Donc on a beaucoup de D+ là. On a pendant 10 bornes, hein, ça va monter. Km 42 200 le marathon. Il y a moins de bière qu'il y a deux semaines. Il y a plus d'heures, plus de D+. Et il y a moins de monde aussi. Je suis un peu tout seul là. De course, 45 bornes. Tout va toujours bien. On se régale, on n'a pas la pluie. Ça s'est même un peu dégagé. Alors franchement, pour l'instant, au top. Je crois qu'il y a de l'ambiance sur celui-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'ambiance. Ils sont chauds, ils sont chauds. Allez Julien, allez Julien. Allez Julien. Allez salut. Moi je crois qu'on va là-haut. Ou est-ce que c'était une bonne idée, cette petite gorgée de bière? Ça va, ça va. Il y en avait 12 il y a deux semaines. Une petite gorgée, ça fait pas de mal pour la récup. On est bien. Kilomètre 52, un nouveau ravito. On va faire le plan parce que j'ai plus d'eau là. Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, pour une raison totalement inconnue, la GoPro a lâché, je sais pas pourquoi. Peut-être plus de batterie, mais ça m'étonnerait. Donc du coup, bah, je vais finir au téléphone, mais bon, ça va pas donner grand-chose. Et puis, je pourrais pas filmer en courant, parce que ça va rien donner. Kilomètre 63. On est pas trop mal. Là, j'ai eu un petit coup de mou, mais ça va mieux. Et là, on a quelques petites vues un peu sympas.